Shalom, qu'est-ce qui est préférable? D'étudier la Torah toute la journée, toute sa vie, ou bien d'avoir un métier? Réponse, ça dépend des gens. Il y a des âmes d'études de la Torah. Évidemment, elles doivent travailler aussi parce qu'il faut avoir de quoi manger. Il y a des âmes de travail. Évidemment, ils doivent aussi étudier la Torah. Puisque la Torah, c'est la lumière. Ça dépend des âmes. Dans le traité Barachot 35b, il y a une controverse entre Rabbi Ishmael et Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon dans le Chai. Rabbi Ishmael Omer, va s'abstenir, tu récolteras ton blé, il faut récolter son blé, il faut travailler, évidemment, consacrer des heures à l'étude de la Torah. Mais Rabbi Shimon Il dit qu'il faut étudier la Torah jour et nuit. Sans cela, elle ne pourra pas tenir bon. Conclusion de la Gemara. Beaucoup ont fait comme Rabbi Shimon de Lachaï n'ont pas réussi, et beaucoup ont fait comme Rabbi Ishmael et ont réussi. De là, je conclus que la voie de Rabbi Ishmael, c'est la voie pour la majorité, de travailler et de consacrer du temps à l'étude, et la voie de la minorité, c'est d'étudier la Torah jour et nuit. Shalom.